L'Est du Québec est en deuil. Un acteur important du développement de la région, Gilles Roy, est décédé hier. Il avait 84 ans et il a profondément marqué l'histoire rurale du Québec en tant qu'un des leaders des opérations Dignité pour lutter contre la pauvreté. Harold Michon. C'est une figure de proue des luttes du milieu rural qui vient de s'éteindre. Toute la vie de ce fils de Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup, a été marquée par l'aide aux citoyens démunis. J'ai vu, de mes yeux vus, là, à Saint-Thomas-de-Cherbourg et à Saint-Paulin-d'Alibert, les maisons brûlées, les salages rasés. J'ai vu les gens désespérés, j'ai vu des gens pleurer. Après son ordination sacerdotale, avec un diplôme d'agronome en poche, il enseigne à l'École d'agriculture de Rimouski tout en étant curé de Trinité-des-Monts. Un voyage d'études en Europe va profondément l'influencer. Moi, j'étais revenu aussi de mes études à l'île en France avec la préoccupation d'un engagement social pour la construction d'un monde meilleur. Gilles Roy a présidé le mouvement Opération Dignité 3 au Méchain et a œuvré à la création de coopératives agricoles et forestières au JAL. Hors sacerdoce, s'ensuit une longue et fructueuse carrière d'animateur communautaire. Il a occupé le poste de directeur général du Conseil régional de développement, en plus d'être un membre fondateur de la coalition Urgence rurale. Encore il y a quelques mois, il vantait les mérites du Centre de mise en valeur des opérations Dignité d'Esprit-Saint. J'ai trouvé assez extraordinaire cette nouvelle solidarité qui continue à se recréer entre les localités qui ont fait des pas en avant comme modèle, en fait, pour le reste du territoire. Paradoxalement, Gilles Roy devait recevoir aujourd'hui même à l'Assemblée nationale l'un des grands prix de la ruralité 2012, le prix Hommage, remis par le ministre délégué aux régions, Gaétan Lelièvre. Sa fille Danielle a lu le bref discours qu'il avait préparé pour l'occasion. C'est avec émotion que je reçois ce prix hommage de la ruralité. Cet événement me fait prendre conscience du rôle que j'ai joué dans plusieurs dossiers importants, de l'histoire de ma région et en particulier de son milieu rural. J'ai donné de ma personne, mais j'ai énormément reçu de cette aventure de la vie. Harold Michaud, Radio-Canada, Rimouski.